là-bas, finis sans nous deux. Ah, mais c'est que ça se fait là, ces chansons. Ah. C'est pas la lecture. Moi, je fais CM2. Hein. Communiquer. Une fausse information circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Et les autorités préviennent déjà l'auteur de cette fausse information qu'on appelle sur Facebook fake news, que des sanctions très très sévères et sans pitié seront prises à son encontre. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça c'est bon. Seront prises à son encontre. En effet, ce dernier raconte partout qu'on ne sera pas disponible pour la fête de Tabaski dans les familles musulmanes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, je tiens à démentir avec toute mon énergie. Avec toute notre énergie. Ah, d'accord. C'est vrai, je ne sais pas celui qui a oublié. Je suis trop inspiré. Mm-hmm. Voilà. Je tiens... pardon. Nous tenons à démentir avec toute notre énergie cette information qui a pour but d'éternir notre image de coco professionnel. Voilà. Et précision de taille, cette information a déjà fait fuir le mouton du premier voisin. Madou Yassagan, Madou, le mouton de Madou. Aboula. Ah, la fille. À quoi l'information hein? Tu sais maintenant, les moutons, ils ont Facebook. Le mouton du troisième voisin aussi voulait fuir. Mais on a réussi à mettre la main sur lui. Voilà. Ce qui veut dire que cette fête sera bel et bien fêtée. Et même les bazins sont déjà prêts. Voilà. Les bazins, faut, voilà. Tout est prêt. Alors, chère famille musulmane, ne vous inquiétez pas, vos cocos seront au rendez-vous. Faites à Boifler 2 jours avant la fête de Tabaski. 2 jours comment? La fête, c'est demain. Ah, mais on a fait ça hier, on n'avait pas connexion pour partager. Ah, c'est aujourd'hui là, c'est voilà. Quoi, c'est aujourd'hui. Voilà. Cordialement, l'association des cocos de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.